C'est le mouvement en soi qui m'intéressait. Je voulais absolument que ça bouge. Et puis c'était très méditatif, comme je dis. Ça me plaisait de le regarder. Et aussi le fait que ça peut exprimer un état d'être. Un état d'être dans ta tête. On a beaucoup voyagé quand j'étais jeune, mais on habitait à Washington, D.C., aux États-Unis, et il y avait les musées Smithsonian juste à côté qui étaient gratuits. Alors, on était quatre enfants, ma mère nous promenait toujours dans les musées, donc je voyais beaucoup d'œuvres, des classiques et sculptures, et j'ai beaucoup appris là, on y était presque tous les mois. Adolescente, j'ai travaillé avec une organisation qui s'appelait Art Now et il y avait beaucoup d'artistes vidéo qui venaient à Washington, des gens assez avant-garde à l'époque, Vito Acconci et d'autres comme Bill Viola. Ça m'a ouvert une autre dimension de l'art. Au début, je me suis questionnée sur qu'est-ce que c'est de l'art. Dans les années 70, tout était permis dans l'art, tout était permis. Alors, je n'avais pas de repères, j'ai décidé de regarder un petit peu dans l'histoire et dans des différentes cultures pour un peu déchiffrer tout ça. On avait des voisins qui étaient des chercheurs pour National Geographic. C'était des chercheurs dans l'art précolombien. Et ça aussi m'a aussi inspiré dans les arts, mais dans les arts, à part l'art occidental. J'ai commencé comme ça et c'était en vivant à Paris que je me suis mis à l'acte. C'était 3 ans à Paris, dans les années, début des années 80, que j'ai commencé à créer. J'étais au American Center à Paris pendant que j'ai fait l'école de Louvre. J'ai commencé d'abord avec les dessins. Je ne faisais pas la peinture, je faisais le dessin et le collage. Je dois dire qu'une personne qui était très influentielle, c'était Grégory Mazurevski, c'était un artiste à Paris. Et lui, il était un très bon prof, c'était pas quelqu'un qui imposait son style. C'est en allant en Californie que j'ai eu plus de place. À Paris, on n'a pas de place. J'étais content parce que je me suis mis vraiment dans la sculpture et surtout, j'ai démarré avec le métal. J'ai toujours été un sculpteur qui travaille le métal. J'ai travaillé dans une fonderie de sculpture en Californie, en apprenti, et avec d'autres artistes, je travaillais sur les œuvres des artistes qui venaient aux fonderies. La chose qui m'a assez influencée là, c'était le musée Getty à Los Angeles. J'y étais, il y avait beaucoup de bronze grec qui était érodé. Ils étaient dans la mer, on voyait la forme intérieure et extérieure du figure. Et j'ai pris ça, j'ai beaucoup travaillé avec. Donc, je faisais des études figuratives, je dois dire. Ce n'était pas vraiment des œuvres en soi, c'est des études encore. Mais ils étaient en bronze, j'ai appris le travail du métal, là, à cette fonderie à San José. Ensuite, en vivant là-bas en Silicon Valley, j'étais en contact avec beaucoup d'artistes et j'aimais bien le travail de James Turrell. J'adorais ça, Robert Irwin, James Turrell. Ils étaient un peu dans
le programme Arts et Sciences de Los Angeles. Je suis allée là-bas à Roden Crater, moi et une autre amie, et on est resté 2 semaines à l'aider James Turrell à monter une exposition au Coconino Art Center à côté du cratère. C'est une œuvre monumentale et lui, c'est un visionnaire. C'est un visionnaire. En étant en contact avec lui, ça m'a beaucoup impressionnée, la manière de voir, de percevoir et de communiquer les idées qu'il avait. J'ai commencé à faire des œuvres de lumière, plus monumentales, et travailler avec l'électricité. Et de là, je suis passée à la cinétique. J'habitais Silicon Valley et il y avait beaucoup de déchets de l'industrie, des résistances, des moteurs, toutes sortes de bidouilles mécaniques. J'avais une amie qui m'a amenée dans des bennes de choses jetées et on triait, on prenait ce qu'on voulait. Et il m'a appris à lire une moteur et voilà, j'ai commencé à faire des œuvres qui bouge très lentement. Je voulais un moteur qui bouge lentement parce qu'on voyait bien la transformation du mouvement. C'était très méditatif pour moi, ce genre de transformation. Et en même temps, ça racontait plus d'une histoire parce qu'une chose faisait un effet sur une autre. Et puis parfois, il y avait un mouvement saccadé ou un mouvement très lent. C'était une révolution pour moi, j'adorais ça. Et j'ai pu exposer pas mal à San Francisco, dans le coin. En 98, on a décidé de bouger, vivre en France. Mon mari et moi, j'avais 2 enfants. On est arrivé ici en 99 à peu près. Et j'ai eu besoin de transformer tout. Mes moteurs, ils étaient différents, l'électricité était une autre... J'ai commencé à chercher des endroits, des gens. C'était plutôt à Nice, en fait, que j'ai fait beaucoup d'expositions avec Arset. Certains objets, ils ont une histoire. Et l'histoire fait partie de toute l'œuvre. Souvent, il y a des objets que je retrouve et je commence à les bouger, à les animer, et puis ça me raconte quelque chose. Donc, c'est pourquoi parfois je pars d'un objet qui m'intéresse, peut-être l'histoire, peut-être le mouvement, peut-être la forme, et je commence à le bouger, et c'est ça que... qui me mène à voir autre chose. Il y a beaucoup d'œuvres qui ont comme sujet, comme intérêt, notre relation avec la nature, comment on a un impact sur la nature, comment la science nous change notre rapport un peu avec la nature aussi.
J'aime bien que le spectateur soit impliqué, c'est pourquoi souvent j'ai un détecteur de mouvement. Donc mes œuvres, ils bougent que quand il y a quelqu'un qui rentre dans une galerie, qui les regarde et qui bouge autour de l'œuvre. Mais autrement, parfois, ils sont reçus complètement différents de ce que j'aurais pensé. Et parfois, c'est très enrichissant parce que les gens, ils amènent d'autres histoires à l'œuvre. Oui.